Bonjour à tous. Pour réaliser donc ce petit sapin, il va me falloir un coton vert forêt numéro 8. Moi, j'ai pris donc une grosse bobine numéro 8, il m'en reste beaucoup, et un crochet numéro 1,5. Donc c'est un petit sapin que l'on peut suspendre un peu partout. Nous allons commencer par monter une chaînette de 26 mailles en l'air. Alors moi, pour monter la chaînette, donc je tourne mon fil comme ça et je repasse le fil à l'intérieur. Voilà. Donc je compte donc 26 mailles. 2, 3. Alors, on va aller jusqu'à 26 comme ça. Donc, on se retrouve lorsque j'aurai monté donc mes 26 mailles. Pour le premier rang, je vais démarrer par 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Ensuite, je vais faire des mailles serrées en piquant la première dans la troisième maille à partir du crochet, c'est-à-dire celle-ci. Donc, je pique, je prends le fil derrière. Je le ramène, un jeté et je coule. Donc je vais faire ça tout le rang. Deuxième maille, pareil, donc tout en maille serrée. Donc on obtient 26 mailles serrées. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang, lorsque j'aurai donc terminé toutes les mailles serrées. Deuxième rang, donc je tourne mon travail, puisque ça se travaille en rang aller et retour. Donc je vais remplacer la première bride par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et je vais faire une bride dans la deuxième maille serrée du rang. Comme ceci. Je pique bien sous les deux brins de mes mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Je vais faire ensuite deux brides sur la troisième maille suivante. Alors, une, deux, trois, c'est celle-ci. Donc ici, je vais faire deux brides dans la même maille. Alors, je prends bien sous les deux brins ici. Voilà. Une maille en l'air et je recommence. Donc je pique deux brides dans la troisième maille suivante. Donc on va faire ça tout le rang. Donc deux brides dans une maille séparée par une maille en l'air. On se retrouve à la fin de ce rang. À la fin de ce deuxième rang, eh bien je vais faire, donc je saute de maille, je fais une bride ici dans la troisième maille suivante et une bride sur la deuxième maille du début du rang précédent. Voilà. Donc je tourne. Troisième rang. Donc je commence par deux mailles en l'air. Et je vais faire le rang tout en maille serrée en commençant ici dans la deuxième bride. Donc je pique bien sous les deux brins, comme ça, comme ceci. Et je fais ma maille serrée. Voilà. Je vais faire ensuite donc une maille serrée sur la maille en l'air qui sépare les brides. Une maille serrée sur chacune des brides suivantes et tout le rang de cette façon. Une maille serrée sur la maille en l'air suivante. On se retrouve donc à la fin de ce rang. À la fin de ce rang, eh bien je fais ma dernière maille serrée sur la troisième maille du début du rang précédent qui est à remplacer la première bride. Voilà, je tourne. Au rang suivant, en fait on va alterner toujours les deux rangs
en diminuant donc une maille de chaque côté à chaque fois. Au rang suivant, donc je fais 3 mailles en l'air pour la première bride. Je vais piquer donc une bride sur la maille serrée suivante. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais piquer dans la... je vais sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais piquer dans la quatrième maille, ici, 2 brides. Voilà, donc on réduit les côtés de cette manière-là. Et je pique bien toujours en dessous les deux brins de ma maille serrée. Donc dans la même maille. Et je fais donc une maille en l'air pour séparer. Et ensuite, eh bien, je reprends normalement. Donc je saute 2 mailles et je pique dans la troisième. Bien en dessous les deux brins. Donc 2 brides. Une maille en l'air. Donc on va faire ça donc tout le rang. On se retrouve donc à la fin de ce rang. Voilà, sur ce quatrième rang, en fait, j'ai fait 6 fois 2 brides piquées dans la même maille. Et donc là, je vais terminer mon rang. Donc je fais une maille en l'air, une bride piquée, 1, 2, 3, dans la quatrième maille suivante, pour faire symétrique avec le début. Et la deuxième bride piquée dans la deuxième maille ici suivante, qui a remplacé la première maille serrée. Voilà, je tourne. Donc cinquième tour, et bien c'est pareil que le troisième. Donc je vais faire mes 2 mailles en l'air. Et ensuite, eh bien, je vais commencer donc la première maille serrée sur la première bride. Non, là j'ai fait une bride, ça c'est pas bien. Donc une maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la maille en l'air entre les brides, une maille serrée sur chacune des brides suivantes. Et on va faire tout le rang de cette manière. Voilà, donc une maille serrée sur la maille en l'air qui sépare. Voilà, on se retrouve donc à la fin de ce rang. Sur le rang en maille serrée, eh bien je fais la dernière maille serrée sur la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Comme ceci, donc je tourne. Au rang suivant, eh bien je démarre de la même façon. Je vais faire 3 mailles en l'air, c'est le sixième rang. 1, 2, 3. 3. Donc je vais piquer une bride sur la deuxième maille ici suivante, la deuxième maille serrée, bien en dessous les deux brins, une maille en l'air, et ici, comme le rang précédent, je vais piquer mes deux brides ici dans la quatrième maille à partir, enfin suivante. Je vais sauter 3 mailles et je pique dans la quatrième. Voilà, donc je fais tout le rang de la même façon, une maille en l'air, je saute 2 mailles, une bride. Donc après je saute 2 mailles, hein. Je fais les brides dans la troisième maille suivante. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Au sixième rang, eh bien j'ai 5 motifs de bride en V comme ça. Alors la dernière, je vais la piquer. 1, 2, 3 dans la quatrième maille suivante. Et la bride suivante, la deuxième bride, je la pique dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Je tourne. Vous voyez, donc, comme je saute donc 3 mailles au début et à la fin, le sapin commence à se former en biseau. Donc là, ben, c'est pareil, ben, je vais faire 2 mailles en l'air. Et puis des mailles serrées, en commençant donc la première maille serrée sur la deuxième bride ici, hop, bien en dessous les deux brins, une autre maille serrée sur la maille en l'air qui sépare, et ainsi de suite. Donc les rangs en mailles serrées sont toujours pareils.
Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Alors au huitième rang, bien je commence toujours par mes trois mailles en l'air. Je fais la deuxième bride dans la deuxième maille serrée ici, bien au-dessus en fait la bride de deux tours précédents. Une maille en l'air. Et là, je vais piquer la bride suivante en sautant donc trois mailles. Je la pique dans la quatrième maille suivante, bien en dessous les deux brins. Donc deux brides. Une maille en l'air. Et ensuite, eh bien, je continue en ne sautant que deux mailles et en piquant dans la troisième maille suivante. Alors au huitième rang, je dois avoir quatre motifs de deux brides. On se retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai bien mes quatre motifs. J'ai fait ma maille en l'air après les deux brides. Et la dernière bride, je vais la piquer là dans la quatrième maille suivante. En fait, tous les rangs sont identiques. Et au fur et à mesure, donc, on diminue les mailles, le nombre de mailles. Alors, pour le rang numéro 9, c'est pareil que tous les autres rangs impairs. Donc, je vais faire mes deux mailles en l'air pour démarrer. Puis, je vais piquer la première maille serrée là, dans la deuxième bride suivante. Je pique une maille serrée sur la maille en l'air suivante, puis sur chacune des brides en piquant bien sous les deux brins. Et donc je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Alors je pique toujours la dernière maille serrée dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Je tourne. Donc là je suis rendue au rang numéro 10. Alors je vais commencer par trois mailles en l'air pour la première bride. Je pique la bride suivante sur la maille suivante, la maille serrée suivante. Une maille en l'air pour séparer. Et bien ici, je vais encore sauter donc trois mailles et je pique mes deux brides ici, bien sous les deux brins, dans la quatrième maille suivante. Alors ici au rang numéro 10, on aura 3 fois 2 brides piquées ensemble. Donc là c'est la deuxième fois. Une maille en l'air. Donc une, deux, je pique dans la troisième. Ma deuxième bride. Une maille en l'air et la bride suivante, et bien là je vais sauter trois mailles, je vais la piquer ici dans la dernière bride, et la dernière bride je vais la piquer dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Donc toujours la même chose, je tourne pour le 11e tour et donc ça va être que des mailles serrées. Donc je fais deux mailles en l'air. Et je fais donc une maille serrée dans chaque maille, tout le rang, comme ceci. Donc dans la maille en l'air et dans chacune des brides. Donc on se retrouve au rang suivant. Même travail pour le rang numéro 12. Donc je commence par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Une bride donc dans la maille serrée suivante. Bien sous les deux brins, une maille en l'air, je saute trois mailles et je pique les deux brides suivantes dans la quatrième maille. Une maille en l'air, et ici je vais sauter deux mailles et je vais piquer les deux brides suivantes dans la troisième. Pour n'obtenir que donc deux motifs de bride en V, une maille en l'air
et je vais piquer, là je vais sauter 3 mailles, cette bride suivante là dans la bride la dernière bride en fait ici de deux rangs en dessous, et la dernière bride je vais la piquer dans la troisième maille en l'air qui a démarré le rang précédent. Voilà, donc ainsi de suite. Donc là je vais toujours faire, donc ici je suis au 13e rang, une maille serrée sur chaque maille en partant ici de la deuxième bride du rang, et donc on se retrouve à la fin de ce rang. Alors nous sommes rendus donc au 14e rang, donc là je commence toujours par mes 3 mailles en l'air, une bride piquée ici dans la maille serrée suivante, et là donc je vais sauter 3 mailles et je vais piquer mes 2 brides dans la quatrième maille suivante. Mince, j'ai fait une double bride ici. Donc là je pique mes 2 brides, une maille en l'air, une bride dans la quatrième maille suivante, en fait au-dessus de la dernière bride de deux rangs en dessous, et la dernière bride dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Voilà, donc numéro 15, donc c'est toujours la même chose, 2 mailles en l'air, une maille serrée là dans la première bride, et en fait ensuite une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Donc là, et je termine sur la troisième maille du tour précédent. Voilà, donc je tourne pour le rang numéro 16, donc 3 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée suivante, une maille en l'air, et là je rejoins l'autre côté, je vais sauter 1, 2, 3 mailles et piquer dans la quatrième maille suivante, donc une bride et une bride sur la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Donc je tourne encore, donc je vais faire un tour en maille serrée, donc 2 mailles en l'air, je pique en fait une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent, donc la maille en l'air du milieu et les deux. Donc là je suis au rang numéro 17. Voilà. Au rang 18. Alors je commence par 2 mailles en l'air. Donc là je vais faire un chapeau. Et ensuite je vais piquer donc une bride dans la deuxième maille suivante incomplète. Alors pour une bride incomplète, je tire le fil et j'écoule uniquement 2 boucles. Et ensuite, je vais faire une bride incomplète sur la dernière maille ici. Donc, j'écoule 2 boucles. Et à la fin, bien, j'écoule toutes les boucles, les 3. Donc, voici. Donc, à présent, eh bien, je vais faire un tour de bordure. Et je vais faire donc des mailles chaînettes pour suspendre mon petit sapin. Donc là, je vais faire 17 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
puis je replie donc le petit cordon et je fais faire donc un tour de bordure ici. Donc je pique dans la tête de mes trois brides incomplètes et je fais une maille serrée. Je pique dans la lisière ici de la bride, enfin je pique en dessous, je fais une maille serrée. Ensuite je vais faire un picot. Donc je fais trois mailles en l'air. Je pique dans la première maille faite, je passe le fil à jeter et je coule. Et je continue. Donc sur la lisière des rangs, là je vais faire donc deux mailles serrées. Donc je ne vois pas trop parce que c'est très foncé. Donc dans la lisière du rang en maille serrée et dans la lisière du rang en bride. Et je fais donc un picot de trois mailles en l'air. Comme ceci. Et je continue, là je pique dans la lisière des rangs. Donc une maille serrée sur le rang en maille serrée et une maille serrée sur le rang avec la bride. Donc on va faire ce travail jusqu'à la pointe ici. Donc on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait 8 picots sur le bord et je vais terminer en maille serrée jusque à l'angle donc de mon sapin. Donc sur la bride je fais en fait 2 brides puisque je ne fais plus le picot. Je fais aussi donc 2 mailles serrées sur la lisière du premier rang en mailles serrées. Je vais donc encore, là je suis sur la maille chaînette, je vais faire donc 2 mailles serrées sur la première maille de la chaînette. Et ensuite, je vais faire 12 mailles serrées jusqu'au milieu ici. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais m'arrêter ici. En face donc la quatrième le quatrième motif en bride. Donc là je pique dans les mailles de début, donc je fais mes mailles serrées. Alors on ne loupe pas de mailles hein, parce que ça serait pas joli. Donc je fais donc les mailles serrées jusqu'au milieu en fait du rang numéro 2. Donc je n'ai pas vraiment compté là ce que je suis en train de faire, mais normalement ça fait 13 puisque j'ai monté 26 mailles au départ. 1, 2, 3, 4. Donc on va continuer. 1, 2. Voilà. Pour faire le pied du sapin, je vais faire donc 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour revenir, je vais revenir sur le pied en maille serrée. Donc je commence comme tout à l'heure par 2 mailles en l'air. Et je fais ma première maille serrée ici sur la troisième maille à partir du crochet. Et donc je vais faire 7 mailles serrées ici sur chacune des mailles. Des 7 mailles que je viens donc de réaliser. Voilà, donc je vais revenir en fait une maille plus loin qu'à l'endroit où j'ai démarré le pied. Voilà, donc la première maille en l'air est ici. Voilà. Et sur le bas de mon sapin, eh bien, je vais continuer mes mailles serrées comme ici. Donc je pique dans la maille serrée, dans la maille suivante de ma chaînette de départ et je fais donc des mailles serrées
tout le long. Comme ceci. Voilà. Et puis sur le côté, là, en remontant, eh bien, on va faire un travail symétrique au premier côté, là, que je viens de réaliser. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des mailles supplémentaires dans l'angle pour pouvoir tourner, en fait, sans gondoler mon travail. Donc, ici... Il me reste encore donc une maille serrée. Donc là, j'arrive à la première maille. Donc j'en fais deux mailles serrées ici. Et de façon symétrique, eh bien, je vais faire deux mailles serrées dans la lisière du rang en mailles serrées de ce côté. Donc une, deux. Et ensuite, là, je suis sur une bride. Eh bien, je vais faire donc deux mailles serrées sur la lisière de la bride. Une maille serrée. Ici, une autre, une troisième. Une maille serrée sur la lisière du rang en mailles serrées. Et là, après ce rang en mailles serrées, je vais faire mon petit picot. Pour que ça rejoigne en fait celui-ci, ce soit sur la même ligne. Donc trois mailles en l'air, une maille coulée. Voilà. Donc sur la bride, là, comme précédemment, c'est deux mailles serrées. Sur la lisière de la maille serrée, c'est une. Et mon picot. Donc une, deux, trois. Voilà, donc on va rejoindre le fait du sapin, donc de toujours de la même manière. Donc je vous retrouve donc à la pointe lorsque j'aurai terminé. Donc j'ai bien mes 8 picots de chaque côté. Et donc pour terminer, bien simplement je vais faire donc 2 mailles serrées dans la bride. Et puis je vais rattacher avec une maille coulée. Pour terminer le travail ici à la base de ma chaînette. Voilà, donc à ce moment là on va couper le fil, on va le passer dans la boucle pour arrêter. Ensuite il faudra donc rentrer les fils, voilà, et donc vous pourrez accrocher donc ce petit sapin. Alors, soit dans votre propre sapin, soit sur votre fenêtre, au niveau de votre vitrage. Voilà, je vous remercie.